Depuis leur collaboration dans l'émission « C'est à vous », Bertrand Chamroy et Anne-Élisabeth Lemoine captivent l'attention au point de devenir la cible de rumeurs persistantes. Leur alchimie à l'écran a éveillé des spéculations, amplifiées par leurs apparitions publiques de plus en plus fréquentes dans les rues de Paris, où des gestes affectueux auraient été remarqués. Les bruits de couloir se sont intensifiés lors du Festival de Cannes 2023, un événement où les deux figures médiatiques ont été vues ensemble, complices et souriants. Ces images ont rapidement fait le tour des médias, alimentant l'idée d'une romance secrète. Pourtant, après des mois de silence, Bertrand Chamroy a pris la parole pour clarifier la situation. Dans une interview au Figaro, le journaliste a exprimé son ras-le-bol face à ces rumeurs, bien qu'il n'ait pas explicitement nié une relation avec Anne-Élisabeth Lemoine. « Je suis toujours disponible pour les selfies et autographes, mais ces spéculations, je ne les comprends pas », a-t-il confié, visiblement agacé par l'ampleur de l'attention autour de leur vie privée. Officiellement, la relation entre Bertrand Chamroy et Anne-Élisabeth Lemoine demeure strictement professionnelle. Malgré une complicité évidente, les déclarations du journaliste visent à calmer le flot de rumeurs. Si leur amitié est indéniable, rien ne laisse supposer, pour l'instant, une romance. Avec leur popularité grandissante et l'intérêt continu des médias, il semble que ce duo devra encore naviguer dans les eaux troubles des spéculations sans perdre de vue leur professionnalisme.